L'estomac pique là comme je Ah oui, vois. bah oui. Tu ne veux plus que ça. C'est une boîte 7 vitesses. Comme moteur, on a 1500 ici. 1500 centimètres cubes. Qui fait 150 chevaux. Donc, compressé. Alors, il y a ici dedans toute une série de, je veux dire, de gadgets. Alors ici la boîte de vitesse, on a deux positions. Il y a la position drive, là je suis. Et si je repousse encore une fois, je passe dans la boîte de vitesse sport. Ouais. Alors là. Silencieuse déjà. Alors monsieur là avec votre monstre. C'est vrai qu'elle est très silencieuse, c'est très agréable ça. On entend encore un petit bruit du moteur, ce qui est agréable. Ouais. Mais avec les FAP et tout, on n'entend presque plus rien. Non. Et ça se trouve que ça perd son charme. Et c'est une version spéciale. Oui, c'est la version qu'ils ont vendue au moment du salon de l'auto. Bon, elle est bourrée de La ver... bête. Oui. Et régulateur de vitesse adaptatif, je suppose. Oui. Et quand on met le régulateur de vitesse, surtout à ce moment-là, pour changer de bande, eh bien c'est dur, il faut appuyer sur le volant. Les phares sont automatiques, les essuie-glaces sont automatiques, ils se mettent en route quand il y a un petit peu de pluie. Tout ça, on n'a plus besoin de penser. Tout ça est automatique. Oui. Et à conduire, tu la trouves comment? C'est très agréable. Qu'est-ce que c'est tout ça ici? C'est pas ce que c'est. Elle est très souple à conduire. La sable, j'avais avant, du point de vue confort. Celle-ci, elle est devenue vraiment une Allemande, c'est assez dur. Comme volant, non pas comme volant, mais comme siège. Et. Je peux vous dire qu'elle accélère très bien et le bruit du moteur est très prononcé. D'ailleurs, tu vois, je roule 120,
très belle. Une voiture qui vienne juste devant, tu vas voir, elle va freiner. Je vais mettre là-bas devant le camion. Comme ça, elle va attraper la. Elle va voir. Dans tous ces systèmes, la voiture avant, et elle va ralentir. Mais il faut que tu sois plus près. T'as confiance? En tous ces gazettes. Regarde, là, tu sens comme elle ralentit. Ouais. J'ai compris la question, Milo. Non, mais regarde, je suis en train de lui montrer. Et voilà le monsieur là. Monsieur là, il part, moi je ne touche à rien. Pas le volant, pas les ouais. Pédales. Et elle est repartie. Elle est repartie. Tu as entendu la question de Martin? Non, c'est pas entendu. Est-ce que tu as confiance en tous ces gadgets? Oh. Il y en a auquel j'ai confiance, mais il y en a d'autres devant qui me coincent un peu parce que quand il va libérer la place, elle va réaccélérer, sauf s'il y en a un qui vient de se remettre. Voilà, 110, 111, 112, 113, 114, 116, elle va revenir à 120. Hein. Et la caméra, elle est en fait derrière le sigle Volkswagen. Oui. C'est très astucieux. Astucieux, ouais. Le sigle se lève, ou bien toi tu peux pousser dessus pour ouvrir le coffre. Je vais aller faire des grimaces, tu vas voir si on les voit. Effet, savez, l'essence. Diesel. Alors voilà quand je mets l'arrière. Ouais. C'est très précis. Ouais. Oui, ça m'étonne toujours comme c'est précis. Ça, l'image est bonne, hein? Ouais. On voit bien, on voit loin parce que le camion là. Ce camion-là, il est déjà loin. Hein? Oui. Tu vois? Oui. Rien derrière, devant. Voilà, les pneus, les roues sont redressées. Maintenant, je peux passer. Dès que je roule plus vite, c'est fini, ça se coupe pas, ben voilà. Et comme on est à l'arrière. À l'arrière, on est bien. Oui, je trouve qu'on est bien. Voilà, on a évidemment la vue limitée à l'avant, mais ouais. Par contre, on a tout ce qu'il faut. Impressionnant. T'es de montage alors? Oui, oui. T'as une machine spéciale ou pas? J'ai PC que j'ai monté moi-même. Un ordinateur. Ouais. Que t'as monté toi-même. Eh ben. Avec un informaticien. Ah oui, d'accord. Génial, oui. Super. Passe le temps de faire. Bah ouais. Ça te prend beaucoup de temps? Si j'ai toute ma journée. Ça peut être fait en une journée ou en deux ou en trois. Ça dépend vraiment du boulot que j'ai. Et voilà. Le plus dur, c'est encore le côté. Tu dois trouver des véhicules à filmer. Et ça, c'est pas toujours facile. Des véhicules comment tu as dit? Tu dois trouver des véhicules que t'as pas encore fait. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Après 800 mètres, traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie, N4, chaussée de Namur.
encore un peu moins bruyante que la précédente que j'avais filmée. Donc moi, je vous la conseille. Voilà. Ça.